Salut YouTube, c'est Chris, je suis super content de vous retrouver sur LMDC 2.0 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, vidéo assez cool puisqu'on va faire le premier unboxing de figurines de l'année. On va se plonger dans l'univers de Demon Slayer, vous l'avez certainement vu en cliquant sur la petite miniature. On va déballer une figurine de Zenitsu Agatsuma et j'ai trop hâte, c'est parti. Mais avant de démarrer l'unboxing, on va se mettre en condition, on va s'équiper et ensuite on déballe. C'est parti! C'est bon, je suis équipé, maintenant il reste plus qu'à faire apparaître la figurine, sinon on peut pas faire le déballage. On se concentre, attention, c'est parti. Il y a du budget sur la chaîne les gars, on n'est pas des rigolos ici hein. Alors, quelques petites infos sur la figurine, il s'agit d'une figurine de chez Bandai, c'est une figurine en PVC, et elle appartient à la collection Figuarts Zero, donc clairement, je trouve que cette gamme est très quali, donc on va pouvoir regarder ça ensemble et découvrir ensemble la qualité de la figurine, donc c'est parti, hein, on commence. Alors, on va déballer ça, on va juste ouvrir ce studio, hein, ça sera suffisant je pense. Hop. Non, j'ai oublié les côtés, tac, hop. On est bon. Allez, on sort ça. Est-ce qu'on a du scotch sur les côtés? Oui, on a du scotch sur les côtés. Hop, on coupe. On coupe. Est-ce qu'il y en a en dessous? Non, il n'y a pas en dessous de scotch. Voilà. Là. Donc voilà, on l'a sorti du carton, on va enlever le petit plastique. Hop, hop. Hop là. Alors, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la figurine, elle est complètement assemblée. Il n'y a pas besoin de mettre des pièces, enfin de fixer des pièces, de mettre la tête ou autre. Elle est déjà en un bloc, on la sort de l'emballage et elle est prête à être posée quelque part. Et franchement, elle est très 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 belle. Je vous mets quelques petits plans d'abord et puis on débrief juste après. Alors mon avis, et ça n'engage que moi sur cette figurine, clairement, elle est très quali pour une figurine en PVC. Alors c'est la gamme Figuarts Zero, donc c'est quand même une collection qui est franchement très bien finie de chez Bandai. Et moi je suis assez fan. Déjà les couleurs de la figurine, ça ressort vachement bien, il y a un super beau contraste entre la couleur de sa tunique, la couleur de ses cheveux, les habits qui sont beaucoup plus sombres au niveau de son haut et de son pantalon. Non, c'est très très joli, les éclairs avec le fait qu'on ait du bleu et du jaune, c'est plutôt pas mal. Alors sur les éclairs, je sais pas si vous voyez, mais on a des parties qui sont brillantes et des parties qui sont mates, donc ça je trouve que ça participe aussi à donner une dimension un peu plus sympa au rendu, un petit peu comme si on avait de la lumière et des effets de lumière, alors que pas du tout, mais ça rend très très bien, et franchement elle est propre, hein. Elle est archi propre.
le visage, donc bah forcément hein, il a les yeux fermés, il fronce les sourcils, hein, il est inconscient, il va déclencher son mouvement là. Souffle du tonnerre, je crois que c'est le premier ou le sixième mouvement, je sais plus. Mettez dans les commentaires si vous vous rappelez quel est le mouvement que Zenitsu contrôle à la perfection quand il est bien évidemment dans un état second. Mais elle est très belle, hein, franchement. Bon bah voilà, un premier unboxing de figurines de l'année, j'espère que ce format vous plaît. Moi j'ai kiffé faire le déballage et vous partager un petit peu mes impressions sur le rendu de la figurine, donc archi cool. J'espère que ça pourra vous être utile si jamais vous avez dans l'idée, je sais pas, vous cherchez une figurine de l'univers Demon Slayer et que vous savez pas trop vers quoi vous tournez. Bon bah au moins ça vous donne une petite idée, soit on aime, soit on n'aime pas, mais ça vous aidera peut-être à faire votre choix. Donc je vous embête pas plus longtemps, un grand merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, unboxing ou autre d'ailleurs. Allez, ciao !